Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 11e épisode de notre Let's Play sur Super Mario World sur Super Nintendo. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes devant le château de Wendy, ultime niveau de ce 6e monde. La dernière fois, on avait récupéré toutes les sorties qui nous manquaient dans le monde 6, on avait tâtonné Reznor, on s'était plutôt baladé, surtout parce qu'on avait trouvé comment avoir shit tonne de vie, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va taper Wendy, puis on va commencer à se diriger tout doucement vers ce cher Bowser. On lui pètera pas la gueule aujourd'hui, mais en tout cas, on va se rapprocher. On allait plus loin, je rappelle que vous pouvez m'essayer des moments épiques et les failles avec les hashtags associés, hashtag épique PIC, hashtag failles et failles, plus en exemple, la route à la compile, sans plus tarder. Si on allait taper Wendy. Allez, on va garer notre Yoshi. Tut-tut. Alors, j'ai privilégié la boule de feu parce que je me dis, on sait jamais. Ok. Là, je sens que, voilà, je sens qu'on va se faire pénétrer, là, clairement, hein. Voilà, très bien. On esquive, jusque là tout va bien. Un petit saut toupie, on avance. Et vive les switches parce que ça nous a aidé. Très bien. Comme ceci. Comme cela. On se baisse. On avance. Ok. Là c'est pas mal, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans le bloc bleu, mais... Ah, attends, va falloir qu'on passe. Ok. On peut bien se servir du bloc bleu comme d'une plateforme intermédiaire. Comme ceci. Voilà, on se met comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on passe. Très bien. C'est un truc intéressant dans le bloc jaune, mais... Ok. Non, non, non. Double dégâts d'un coup, là? Vous êtes sûr? Bon, j'ai l'impression que vous êtes sûr, hein, mais... Je me suis fait couillonner mes objets, bah ça pue. J'espère juste que Wendy, c'est pas un combat trop chiant. Bon, je pense pas qu'elle soit chiante, mais on sait jamais. Allez, non, non. Le scaler action reste bien là, comme ça, tranquille. Bon, bah du coup, va falloir... Bon, bah ça qui est bien, c'est que Mario étant petit, on peut pas trop... On n'a pas besoin de se baisser, déjà. Bon, du coup, je pense que les blocs que j'ai pas tapé tout à l'heure... Là, maintenant, je vais être... Ok, je vais être curieux et vouloir savoir ce qu'il y a dedans. Non, parce qu'un power-up, ça se refuse pas. Mais j'avoue que les machins qui montent et qui descendent très vite, là, il y a un timing à choper, ça se voit, de toute façon. Il n'y a pas le scrolling de l'écran. Très bien. Allez, hop, donc on passe par ici. Le prochain, on fait un saut toupie dessus. Hop, on part au-dessus, en tout cas. On esquive la première bulle de lave, puis la deuxième. Voilà, comme ceci. Comme cela, on avance. On fonce. Parfait. Du coup, il y a quelque chose dans le bloc bleu ou pas? Ou ça sert juste de plateforme? Non, ça sert juste de plateforme. Très bien. Oh! D'accord, il y avait une vie cachée là-dedans. Bah, je la prends, je l'accepte volontiers. Je dis jamais non à une vie supplémentaire. Alors... Par contre, dans le bloc jaune, un champi, très bien. Ok, ça va, il y en a que 3. On a le checkpoint, très bien. Comme ça, on n'a pas à refaire ça, c'est cool. Et attends, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a peut-être déjà quelque chose d'intéressant dans ce bloc jaune. Un autre champi, c'est pas ce que j'espérais. On passe par ici. On fera pas de commentaires. On ne fera aucun commentaire sur les inputs. C'est dépassé, c'est démodé, c'est saut 2020. Dit-il alors qu'il a fait que ça pendant les épisodes précédents. Mais c'est un détail. Voilà, donne-moi ça. Super. Ah non, mais on adore, hein. Au moins écoutez, j'avance, je me pose pas de questions, je devrais peut-être. Ok. C'est vrai qu'être petit ici c'est un avantage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se basent sur le fait que Mario est potentiellement grand là-dedans. Le milieu, parfait. Et là-dedans, une cape, et on est prêt à taper Wendy. Et bah c'est parti. Ça me dit quelque chose ce mode opératoire là. Ok, Wendy est ici. 1. Ludwig avait une arène similaire. Bon, merde, tant pis. 2.
Et 3. Au revoir, Wendy! Et avec ça, le monde 6 est terminé. J'ose espérer à 100%. Et on a sauvé un nouvel œuf de Yoshi. Ah, le balai, bien sûr. La serpillière. Au moins, Mario, il est propre. Il nettoie derrière lui. Wendy Okupa du 6ème château a chanté sa dernière, a chanté son requiem. C'est vraiment sa chanson des morts, le requiem. Mario doit désormais relever le défi qui se dresse devant lui. Une épave qui apparaît, qui semble être une passerelle, un portail vers la vallée de Bowser. Très bien. Eh ben, allons-y. L'épave hantée. Donc, c'est l'épave hantée. Techniquement, Sunken Ship, je vais traduire ça par épave. C'est plus simple. D'accord, donc l'épave est hantée. C'est une épave, mais les canons sont toujours actifs. Hein. Notez. On va essayer de rester en haut. C'est pas une bonne idée. On va acquérir, on va prendre le tuyau jaune. Il suffit de demander. Alors. Parfait. Ok, il y a des fantômes de partout, forcément. Même Yoshi, il a une couleur de... Selon certains endroits, il a une couleur de fantôme, ouais. Oh, punaise. Ouais, non, finalement, Yoshi, c'est un peu mon assurance survie, là. Tu vois, il y en a qui sont à la Matmut, il y en a qui sont à je sais pas quelle assurance. Bah, moi, mon assurance, c'est un Yoshi. En plus, ça demande des mouvements très précis pour bien esquiver les fantômes, quand même. Il y a d'autres petits fantômes qui bougent, là. J'espère vraiment qu'on connaîtra un peu le casting des noms des ennemis, ça pourrait être cool. Sur moi, je suis toujours curieux de ça. Bon, désolé Yoshi, je finis sans toi. Non, non, vous restez là les mecs, vous restez là. Vous restez là, c'est un ordre. Je peux rentrer à un moment donné? Voilà, super. Tuyau bleu. Oh, une étoile. On va essayer de péter des trucs, hein, ça rapporte des vies. File-moi une vie. Des vies, des pièces, ouais. Des pièces, c'est bien les pièces. Ok. Attends, je me fais encore une vie. Voilà, parfait. Attends, on va descendre comme ça. On sait jamais ce qu'il y a. Comme ça, au moins, on rebondit sur tout ce qu'on trouve. Oh, 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 oh. Les gens. Dans les commentaires, vous savez ce que je veux voir. Tous ensemble. Orb. C'est tout ce que j'ai à dire. Orb. Trop bien, il y avait un orbe. Et voilà, le dernier monde est ici. La vallée de Bowser. Nous y sommes cette fois. Niveau 7-1, en avant. Il a pas l'air bien long ce niveau. Oh, nice. La taupe qui est coincée. Ah, c'est parce qu'elle avait pas son attestation, je parie. Oh oh. Oh, la taupe, va ici. Non, je vais rester sur ma décision. Ok. Donc, il y a des taupes avec... Des grosses taupitaupes avec des lunettes de soleil. Pourquoi pas? C'est conceptuel, après tout, hein. Je veux dire, les taupitaupes ont tout à fait le droit de porter des lunettes de soleil si ça les chante. Moi, je vais t'attendre. Eh. Bon. Moi, je pars là. En fait, j'avais cru voir un... Oh, là, un power-up. En fait, avec l'autre truc, j'avais cru voir un power-up. Allez, pète-y la gueule, pète-y la gueule. Il y a quoi dans le tuyau vert? Je peux rentrer? Oh, attends, il y a le checkpoint là-haut. Ouais, bon, vas-y, on va prendre le risque. Je vais prendre un peu d'élan et faire oui. Vous avez pas l'air con comme ça les mecs, c'est l'avantage. Vous avez pas du tout l'air con.
Merde. J'aurais mieux fait de fermer ma boîte à camembert, moi. Ah, moi, je vais toujours vers le haut. C'est la méthode Sonic. Bon, je vais rester par là, en fait. C'est plus safe. Merde. Ah, en plus, c'était juste pour des pièces. Bah, super. Et je me suis fait couillonner en perdant mon bonus. Attends, attends. Oh, fuck, des Kaizo blocs. Bien sûr, des Kaizo blocs, c'était... évident. Non, 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 je vous en prie, cher monsieur, vous avez priorité, bien évidemment. Vous venez pas de la droite, mais vous avez priorité quand même. Ok, là, je peux passer par là, les esquiver, très bien. Ok, une taupe. Oh non, ça c'est un coup à esquive, voilà, c'était un coup à esquive sur le coin de la tronche. Eh, on a quand même 4... Ah ok, la fin est ici. Ok, elle est un peu plus bas. Bien sûr, dans la partie la plus... Ouf, nice, on avait deux. Oh, attends. Non, non. Les gars. Excellent. Excellent. First try. Oh, yeah. C'est dingue, c'est à force de regarder des vidéos des gens qui font des hacks Kaizo. Je m'attends à ce qu'il y a genre un truc qui pop pour m'empêcher de prendre le ruban de fin. Mais non, Nintendo, ils sont plus gentils. En théorie. Ok, niveau rouge ici. Bon, probablement l'un des deux qui va mener vers le château et l'autre vers le manoir hanté, j'imagine. C'est parti. Oh, joie. Un niveau avec un truc qui scrolle. Et si c'est un ancien qui scrolle, vous voyez qu'on peut dire que c'est un Elder Scrolls. Donne-moi ça. Oh, punaise. Une carapace disco. Alors, apparemment... si on en croit le nom japonais de la carapace disco, c'est la carapace kamikaze. Ce qui est étrangement adapté. Ouais, donne-moi ça. Je vais garder une carapace, c'est utile. Évidemment. J'aime me faire taper par des ennemis que je ne vois pas. Cool! Déjà la moitié du level. Eh ben, let's go! Et là, nous avons... ah, d'accord. Ça, c'est un truc pour Yoshi. Ok, d'accord. Donc là, c'est... c'est un niveau layer 2, en vrai. Parce qu'en gros, faut imaginer que... quand vous créez un level, il y a plusieurs couches. Genre, la zone qui bouge pas, c'est la couche 1. Et la zone qui bouge, c'est la couche 2. En anglais, couche, c'est layer. Et je pense que c'est ça. Hein. À moins que ce soit un truc un peu plus technique, en vrai. Wow, j'ai tellement failli me faire écraser là. Non, non, ici. Ici, c'est safe. On avance tranquillou. Est-ce qu'on est pressé? Pas du tout. Là-haut. Donc, on est une autre zone un petit peu plus loin qu'on va prendre. Non, non, d'abord la zone en bas. Tranquillement, tranquillement. Ici. Ok, ensuite, on descend, donc la zone safe est en bas. Par contre, je serais infoutu de vous dire si on est loin de la fin de la zone. Ah, pas vraiment. On y est à la fin de la zone. Yay! Alors... on peut passer par au-dessus, trop bien. Eh hey. Oh là. Eh ben, sortie secrète, les pimpons. Et ça mène la forteresse, évidemment. Ah, ok, d'accord, le 7ème Koopaling garde l'entrée de Bowser. C'est logique. Eh, mais attendez, ça va être notre dernière confrontation avec Reznor. Oh, merde. Je l'aimais bien, moi, Reznor, c'était un bon gars. On peut passer les deux premiers, j'imagine. Il y en a trois. Ok. Là-dedans, une cape. Yes! Ça, ça fait zizir. Ok, donc on y va. Il y en a deux nouveaux. Il y en a quatre cette fois. Tranquille, tranquille. Ok, donc. Il y a des tics qui nous tombent dessus. Ok. Pas... merde, j'ai fait un saut de petit zizi là. Bon,
Tant qu'on n'en meurt pas, j'ai envie de dire, on s'en fout. Voilà. On va se mettre là comme ça pour voir un peu la suite. Ok. Je récupère la champi. Et de là, je vais peut-être remettre l'écran dans sa position normale. Voilà. Très bien. J'aurais dû m'en douter. Ok, là, je pense que ça va aller un petit peu plus vite. Dommage. Dommage, dommage. C'est comme la chanson de Desireless. Dommage, dommage. Je viens de me prendre des dégâts. Dommage. Bon, après, me comptez pas sur moi pour refaire l'impro sur la Z-Parole. Hein. Au bout d'un moment, je suis pas non plus l'improvisateur 3000. L'improvisateur 3000, c'est pas mal comme titre d'épisode, ça, en vrai. Monsieur l'arbitre, là, normalement, je voudrais pas le dire, mais c'est pas moi qui suis censé subir des dégâts. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc on sait qu'après c'est plus rapide. Voilà, donne le champi. Allez, on avance. Parfait. 1, 2. On sait que ce machin là va nous péter le pimpon. Très bien. Attends, on va attendre qu'il passe. On esquive. Il remonte, on y va. Parfait. Tant pis. Mince. Mais on a... Attends. On n'a pas de frame d'invulnérabilité avec ces machins-là, vous êtes sérieux? Pas de frame d'invulnérabilité. C'est pas gentil, ça. Ouais, que j'arrive à gérer et garder ma cape. Ça pourrait être bien. Voilà, donne-moi la cape, merci. Alors c'est con qu'on n'ait pas de Yoshi dans les châteaux. Bon, c'est peut-être aussi pour éviter qu'on aille becter les boss en vrai. Hein. Voilà. Donc là maintenant, je passe tranquillou. Celui-là aussi. Là, on s'arrête. Ensuite, on fait 1, 2, 3. Parfait. Je prends le champi de laser parce que... Merci de me dire que je suis pas connecté à OneDrive. Je m'en bats totalement les couilles. Épisode était donc sponsorisé par OneDrive. Comment ça, c'est pas crédible? La Marius fait chier. C'était dans Sony qui dirait j'ai failli attendre. Parfait. Bon. Et du coup, je suis en train de me dire si j'avais pu passer, je me serais fait couiner par la fenêtre. Vous n'êtes pas connecté à OneDrive. Ouais, bah spoiler alert, je m'en tamponne la nouille, j'utilise jamais OneDrive. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Parfait. Tranquillou. Bon, du coup, le power-up qui est là-dedans, on sait que c'est toujours un champi, quoi qu'il arrive. Donc, je n'en ai pas spécialement besoin. Voilà, casse-toi. Ok. Ah, la cape aide bien à survivre en vrai là. Merde! Quelqu'un m'explique pourquoi j'ouvre toujours ma boîte à camembert quand il faut pas. Voilà, mais je pense que l'objectif pour aujourd'hui. Allez, finir ça et prendre la sortie normale du niveau 7-2, comme ça on commencera par un manoir hanté la prochaine fois, ça m'a l'air bien. Du coup, ça va vouloir dire qu'on trouvera probablement la prochaine entrée vers la Star Road la prochaine fois. Mais ce que je peux essayer de faire pour avoir un peu plus de suspense, c'est si j'arrive à trouver les entrées vers la Star Road, prendre vraiment... Les entrées restantes... En fait, les sorties restantes pour arriver vraiment vers Bossware. Et comme ça, on fait vraiment durer le suspense. On fait d'abord tous les trucs spéciaux avant de faire Bossware. Et puis comme ça, ça pourra me donner aussi l'occasion
de vérifier qu'on a bien toutes les sorties. Ouais, non, parce que je vous le dis, c'est officiellement à Let's Play 96 sorties, voilà. Bon, je pense qu'avec ma manie de tout chercher les sorties, vous l'auriez déjà deviné, hein, évidemment. Vas-y. Mon assurance survie, là, qui dégage, super. Ouais, bon, ça servait à rien. En fait, je pense vraiment que... Déjà, prochain passage, si ça passe pas, je pense que je vais faire du coupe-coupe. Ça me paraît bien. Mais il faut vraiment la cape pour passer cette zone-là. Enfin, ça doit être possible sans, c'est juste que c'est plus compliqué. J'ai quand même l'impression qu'on a fait une bonne partie du level, en vrai, hein. Parce qu'en vrai, je pense qu'on passe le truc là. On doit pouvoir faire coucou à Reznor. Je pense. Allez, on se concentre. Voilà. On laisse passer la bulle de lave. Bon, là, je prends le champion en réserve, parce qu'après tout, pourquoi pas. Là, là, je me mets là. Je dégage ce truc. Et maintenant, on se concentre. Hop, 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 hop. Il n'y a pas de bulle de lave ici. Je vais attendre qu'une prochaine bulle de lave passe. Voilà. Ah bah oui, j'avais raison, c'est Reznor. Allez. Et qu'on arrive à faire un Reznor first try, ce serait bien. Parce que là, on a... Tous les Reznor, on est mort au moins une fois. Eh ben voilà! Suffisait que je dise Reznor first try pour qu'on fasse Reznor first try. Elle est pas belle, la vie? Elle est pas belle, la vie? Bien! Est-ce que ça nous mène à quelque part? Ça nous mène quelque part, pardon. Oh... La porte derrière de chez Bosware. Non, on n'y va pas tout de suite. On a encore la sortie normale. Bon, je pense très sincèrement que le manoir doit avoir une sortie qui mène directement au château. Enfin, au petit château avant celui de Bowser. Je pense. Donc là, on se fait le niveau de normalement. Nice. Parfait, je récupère mes items. Merci la carapace kamikaze. Voilà, là on pète tout. Oh, puis je vais récupérer ça, allez hop. C'est rigolo. Donc là, je regrimpe pas, bien sûr. Hein. Quelque chose d'intéressant là-dedans. Un champi, très bien. Allez, checkpoint, donc on va avoir la partie avec le layer 2 qui bouge. Ah oui, c'est vrai. C'est probablement... En fait, je pense que c'est probablement si on a Yoshi... On peut s'en servir pour passer au-dessus. Parce que je pense que ça, c'est un truc que Yoshi doit pouvoir manger. C'est comme ça que je vois la chose, en tout cas. Ok, donc là, ça vaut pas le coup de la jouer en mode YOLO. Voilà, là, je fais le con. On se met ici. Et puis ensuite, go là, ça m'a l'air bien. Contrairement à la chanson, ça fait Go West. Et là, bien sûr, on reste là parce qu'on sait que c'est du suicide d'aller de ce côté parce qu'on va se faire écrabouiller. À moins qu'il y ait un glitch qui nous permette de passer à travers, mais... Oh, remarquez, c'est pas impossible, mais j'ai quand même mes doutes. J'ai pas envie de vérifier. Même pas pour la science, figurez-vous. Allez, let's go. On doit plus être très loin là de la fin, non? Il doit y avoir encore deux ou trois montées à faire. Par là. Bon, de toute façon, faut qu'on repasse par là en dessous. Je sais plus s'il y a un chemin au bout là-bas, on va aller voir. Non, il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais faut que le layer remonte. Enfin, c'est plus une espèce de plateforme, un peu comme on avait vu dans... C'est dans le château de Wendy, ça. Ouais, c'est... Bah oui, c'était au début de l'épisode, le château de Wendy. Crétin, va.
Voilà. Et ben voilà, là on y est. Et pendant que ça descend, on va pouvoir finir. Et là, cette fois-ci, on s'éclate pas à faire je passe au-dessus. Là, c'est je continue. Enfin, plutôt par là, quoi. Carrément. Ah, il y a les taupes qui reviennent. Pas grave. Boum! 23 étoiles de plus, nous en sommes à 78 ou 78, comme diraient nos amis belges. Et ben voilà! On a fait une bonne première incursion dans le monde de Bosware. On s'en sort même plutôt bien. Donc, vu la physionomie de la map, j'ai supposé qu'il y a une sortie secrète dans le manoir qui va mener directement au château qui est au-dessus de Mario et une autre sortie qui va le mener directement à gauche. Mais ça, c'est quelque chose que je vous propose de voir au prochain épisode. Du coup, on va se quitter ici, mesdames et messieurs les gens. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Super Mario World. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce de famille en partant, ça fera super plaisir. Et en plus, de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir. Les moments épiques et faits avec les hashtags associés, vous connaissez bien. Et pour en plus, des listes internes à la chaîne Twitch ainsi qu'à la chaîne de VOD dans la description. Et en attendant la suite de l'exploration de la vallée de Bosware, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis justement à ciao Bosware. We'll be right back.